je tiens absolument à comprendre pourquoi mon père est mort aussi injustement et pourquoi il a été sacrifié comme ça. Je veux absolument avoir une réponse à ça. Et comme j'ai pas pu trouver la réponse toute seule, c'est aussi pour ça que j'ai apporté ce dossier au pénal. Le problème de l'arsenic du sodium est très représentatif pour moi de la façon dont est traitée l'homologation et l'évaluation de ces produits par-dessus la jambe. Il y a manifestement des fautes des fabricants qui ont vendu des produits dangereux avec des mentions erronées sur les étiquetages, cachant le caractère cancérogène avéré des produits utilisés, et tout ça avec la complaisance de l'État qui a continué à homologuer ces produits pendant des années, alors qu'on savait que ces produits étaient particulièrement dangereux. Donc nous attendons de la justice qu'elle mène des investigations pour aboutir, le cas échéant, au renvoi des responsables devant le tribunal correctionnel pour qu'ils puissent s'expliquer devant les victimes. Et à travers cette plainte, on va pouvoir, s'il y a un procureur qui est nommé, on va pouvoir quand même faire des investigations qui permettront de comprendre qui n'a pas fait son travail, qui a fermé les yeux.